Good morgen, Aleidan et Tusroch de l'Elonishmat Mijarot Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, Norbert Avraham Ben Fortune Mazal et Shmuel Ben Shlomo Zalman. Si vous souhaitez vous aussi dédier notre prochaine étude de Mishnah contactée de la communauté éternelle, nous étudions Maserhet Anit Perik Bet Mishnah Vav. Shalosh Taniot Harishonot, Anche Mishmar Mit Anin Velomashlimin, Anche Bet Av Lohayu Mit Anin Klal. Shalosh Niot. אנשי משמר מתענין ומשלימין, אנשי בית"ר מתענים ולא משלימין. שבע אחרונות, אלו ואלו מתענין ומשלימין, דברי רבי יהושע. וחכמים אומרים, שלוש תעניות הראשונות, אלו ואלו לא היו מתענין כלל. שלוש שניות, אנשי משמר מתענין ולא משלימין, ואנשי בית"ר לא היו מתענין כלל. שבע אחרונות, אנשי משמר מתענין ומשלימין, ואנשי בית"ר מתענין ולא משלימין. ובית המקדש, אל יהוה Bien sûr, des Kohanim qui venaient faire l'avoda. Ce n'était pas n'importe quel Kohen qui venait à n'importe quel moment. C'était, on avait pris toutes les familles des Kohanim, on les avait séparées en 24 Mishmarot, ça s'appelle 24 gardes, qui donc il y avait deux fois par an. Et à part ça, chacune des gardes, elle était elle-même séparée en Batei Av, en familles qui sont en fait. De manière générale, il y a la famille, général, les 24, 24 comme ça, à l'intérieur de chaque 24, il y a les Batei Av, on les classait en 6. De manière à ce que chaque jour au Beit HaMikdash, il y avait une famille spécifique qui travaillait. C'était un cycle de deux fois par an, en fait, toutes les 24 semaines. D'accord? Les jours de pendant les fêtes, c'était tout le monde qui travaillait en même temps, mais sinon, il y avait concrètement chacun avait sa semaine. Ça, c'est pour les Mishmar, et Anshei Beit Av, c'est donc ceux qui travaillent aujourd'hui et pas demain. Il y a maintenant la Mishnah m'enseigne comme ça. Au Beit HaMikdash, quand on avait besoin de pluie et que le Beit Din instaurait des jours de jeûne et de tfilot, est-ce que les gens, les Kohanim qui sont de garde au Beit HaMikdash, est-ce que eux doivent-ils eux aussi jeûner? Quel est le problème? Le problème c'est qu'ils doivent avoir des forces pour faire le service d'Hachem. Et donc s'ils vont jeûner, ils vont forcément être plus... D'accord, plus, comment dire, plus ras-le-bol, moins de patience, moins d'envie de persister, comme on est dans les jours de jeûne. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Shalosh taniot rishonot. Alors maintenant, il y avait trois niveaux de taniot, de jeûne qu'on instaurait. Il y a les premiers, les trois premiers, les trois deuxièmes, et puis après, quand ça persiste et quelques jours pas de pluie, eh bien, on faisait avec les sept, il y avait sept taniot. Donc, on va voir, on va avancer. Plus ça va en progressant et en imposant plus de choses selon le cas. Il y a donc, je répète, il y a les Anche Mishmar et Anche Bet Av. Anche Mishmar, c'est de manière générale toute la famille qui est venue cette semaine pour travailler. On va dire la famille Daon. C'est nous. Et puis, il y a, par ça maintenant, alors on est venu travailler pour cette semaine. Maintenant, dans la famille Daon, on va voir maintenant, ça va être séparé en 16, 6 Bet Av. On va partir avec les. À l'époque des tontons, il y avait le tonton Jacques et le tonton Léon et tonton ce que vous voulez. Eh bien, chacun il va travailler durant sa journée. D'accord? C'est un peu le même principe. Donc, est-ce qu'ils doivent jeûner? Alors, de manière générale, on va dire comme ça, que tout Bet Av, il sera plus facilement dispensé de jeûner. Parce que le Bet Av, c'est celui qui travaille aujourd'hui. Un Chemishmar, c'est ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, mais qui sont là malgré tout en renfort. Que si il y avait trop de travail aujourd'hui, et qu'on ne va pas réussir à boucler pour la nuit, eh bien, on appelait vite les autres Anche Mishmar. Donc en fait, ils sont un petit peu en stand-by. Est-ce qu'ils vont avoir à travailler ou pas? Par rapport à Anche Bet Av, que c'est sûr qu'ils travaillent. Du coup, plus tu vas être sûr de travailler, et plus tu vas être dispensé de jeûner. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Shalosh Taniot Arishonot. Pour les trois premiers jeûnes d'abord, où le jeûne ne commençait que depuis le matin. Anche Mishmar mit anin vola mashlimin. Les hommes de garde de la famille en général, mais ce n'est pas ceux qui travaillent spécifiquement aujourd'hui, eh bien, mit anin velo meshlimin, ils devront jeûner, mais pas finir la journée. Ça veut dire, en fait, on leur demande de participer un petit peu au jeûne public qui est instauré. Ils n'ont pas l'obligation de finir toute la journée, au contraire, quoi, ils doivent être des simcha au moment où ils mangent, et finir en fin d'après-midi. D'accord? Anche Bet Av, tandis que Anche Bet Av, les gens de la famille du Bet Av qui est en train de quitter de service pour cette semaine, alors. Et l'Oyou, Venche Bet Av, ceux qui sont de service pour aujourd'hui,
Eh bien, loyumit anin klal, il ne jeûnait pas du tout. D'accord? Donc, première série de jeûnes, un chemishmar un peu, et un chebetav rien du tout. Ensuite, shalosh niyot, la deuxième série de trois jeûnes, où là c'est bien plus rigoureux, on commence à jeûner depuis le soir. Alors là, on augmente chacun d'un cran. Donc, un chemishmar, la famille de garde générale, qui ne sont pas en train de travailler pour cette journée-là, eh bien, eux, metanin, ou machlemin, dont jeûner, et jusqu'au bout, jusqu'au soir. Tandis que Vanche Bet Av, ceux qui sont des gens du Bet Av, qui sont en train de travailler concrètement aujourd'hui, ils invitent Anin Vola Machlimin, eux, ils jeûneront, mais n'auront pas besoin eux aussi de compléter leur journée. Sheva Charonot, par contre, les sept derniers, alors là, Elo Velo Mit Anin Machlimin, ceux-ci comme ceux-là, ils devront tous jeûner et. Ils devront, c'est comme cela, les Nchimishmar et Jemeta, ils devront tous jeûner. D'accord? Tel est l'avis de Rabbi Yoshua. Donc c'est clair pour le moment, en fait, il y a première série de jeûnes, un petit peu pour l'Nchimishmar, rien pour l'Nchimishmar, deuxième série de jeûnes, tout pour le Nchimishmar, et on commence avec un petit peu pour l'Nchimishmar, et puis troisième série de jeûnes, même le Betav est concerné par ça. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, pour les trois premiers jeûnes, ceux qui commencent depuis le tôt le matin, et hein. Sache que, concrètement, au Batamikdash, tout le monde dit le jeûne, personne ne jeûnait, il n'était pas concerné par ces jours de jeûne. Par contre, Shalosh Niyot, la deuxième série de trois, alors, Anshe Mishmar Mitanin Velo Mashlimin, là on commence à augmenter un petit peu. Donc on démarre de rien, cette fois-ci on va demander au Anshe Mishmar, s'il vous plaît. Jeûnez quand même un petit peu, même si vous finissez pas la journée. Donc, Anchimishmar, ils vont être mitanin velo mashlimin. Ils vont se jeûner, mais sans avoir l'obligation de finir leur journée. Anchibet av loyum mitanin klal. Tandis que les gens, la famille qui était de service concrètement au Bet Amigdash dans cette journée-là, ils étaient complètement dispensés des jeûnes, comme ce qu'on voit tout de suite d'ailleurs. Shebachant, les sept derniers jeûnes. Alors, la Mishnah me dit Anchimishmar mitanin mashlimin. Et j'ai sauté un truc. Shevachonot, Anshe Mishmar, Mitanin, Omashilmin. Les sept derniers, alors on a les Anshe Mishmar, les hommes qui sont, la famille qui est de garde pour toute la semaine, mais pas qui est spécifique aujourd'hui. Alors là, cette fois-ci, Mitanin, Omashilmin, Anshe Bet Av, Mitanin, Omashilmin. Tandis que ceux qui sont en fonction aujourd'hui, ils jeûneront certes, mais ils s'arrêteront vers l'après-midi. C'est-à-dire, en fait, je reprends. Selon, en fait, il y a quatre niveaux. Il y a personne ne fait rien. Anshe Mishmar, Mitanin Velo Mashlimin, et Anchebet Av rien. Après, on commence à tout augmenter d'un cran. Anche Mishmar, ils font le jeûne complètement d'Anchebet Av Mashlimin, Mitanin Velo Mashlimin. Et puis, on a le summum, c'est que tout le monde jeûne. Selon Tanakama, les trois étapes des 7, des 3, 3, 7, eh bien, c'est exactement les étapes 2, 3 et 4 qu'on a énumérées. Et selon Chachamim, alors non, on va commencer depuis 1, 2 et 3 en fait. C'est-à-dire, on commence, première série des 3 jeûnes, rien du tout. Deuxième série, Anche Mishmar commence à jeûner un petit peu quand même. Troisième série, bon, Anche Betav commencez aussi à jeûner un petit peu, tandis que Anche Mishmar, ils vont jeûner complètement, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.